s'intéresser à Jeffrey Wams, le Néerlandais, vainqueur de l'America Cup, deuxième à Côte-Bosse, deuxième à Sao Paulo. Voilà, ça c'est bien fait, double ouvrier ennemi, un tempo suivi de double ouvrier arrière. Très correct. Dans les rotations longitudinales, il est très fort. Double vrille avant, salto avant groupé, suivi de salto avant vrille. Deux diagonales à 5 dixièmes. On est déjà à un point de difficulté. Le gymnaste part sur 8,40. Avec un point, ça fait 9,40. Il faut qu'il fasse encore 6 dixièmes de difficulté pour arriver à 10. Twist double avant carpé, difficulté classée E à 2 dixièmes. Nous sommes donc 9,4 et 2. 9,6. 9,6. Et un double tendu en fin, oui. Suivi de salto avant groupé. C'est beau. Et oui. Ouais, superbe cette dernière diagonale de Jeffrey Wells, le néerlandais. Ah oui, puis il faut se l'envoyer en fin, ça. Hein. Voilà la dernière. Poum, poum. Ça devrait bien le placer. Ouais, c'est étonnant, déjà on n'a pas la même note de départ.